Et bonjour à toutes et à tous, c'est Munchy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Elden Ring. Vous voyez que là on se retrouve devant juste l'entrée de l'académie de Raya Lucaria. Donc c'est évidemment cette zone qu'on va tenter dans cet épisode, car on a tout fait, pratiquement tout dans cette zone. Là même si encore une énigme là, qui me triggerde un petit peu. Je pense que c'est une emote mais que j'ai pas la bonne emote, à mon avis ça doit être ça. On avait réussi à faire toute cette putain de zone au-dessus de l'arbre-monde, là, le plateau supérieur qui était chiant parce qu'en fait, tous les habitants de cette zone, en fait, même les ennemis, ils sont atteints de folie, en fait, si vous voulez, dû à un truc religieux par rapport aux trois doigts. Et du coup, bah, c'est chiant parce que la folie, bah, ça fait mal, hein. C'est un peu comme dans Bloodborne, hein. Dès qu'on a la folie au max, bah, on perd les trois quarts de notre vie. C'est exactement la même chose, sauf qu'ici, en plus, notre perso se tient la tête et tombe par terre, du coup, on peut se faire bolosser en plus de ça, donc c'est vraiment très, très pénible. Et notamment ici, juste avant d'arriver dans l'église, là où on a amélioré nos fioles par ailleurs, on a affronté également un envahisseur, donc pareil, qui faisait que des attaques de folie, c'était infernal, enfin on a quand même réussi à l'avoir, mais c'était chiant, enfin, terrible, cette zone horrible, enfin vraiment c'était casse-couille comme pas possible, surtout que t'avais pas de feu de grâce, hein. De site de grâce, pardon, il y en avait pas, j'en ai vraiment eu un qu'à la fin, ici à l'église quoi, c'était terrible. Donc soit maintenant on est arrivé à l'entrée de l'académie, et c'est l'académie qu'on va tenter dans cet épisode, donc j'espère que ça va bien se passer. Avant toute chose, j'aimerais explorer ce pont. Car on pouvait utiliser ce truc-là pour se téléporter, on l'avait vu dans il y a deux épisodes, je crois. Mais j'ai jamais été vraiment au bout, voir ce qu'il y avait. D'accord, il y a des loups. Bon, jusque-là, rien de méchant. Ouais. Très bien. Il y a que des loups en fait sur ce pont quoi. Et un loup alpha qu'on va tuer. Voilà. Alors, donc ce pont là vraiment envahi par les loups quoi. Il y avait que ça. Ah, il y a le marchand qui est là, d'accord. Qu'est-ce qu'il fout là quoi? Je me demande bien ce qu'il fout ici hein. En même temps, t'as vu l'endroit où t'es, quoi, sans déconner, tu m'avais déjà sorti la même connerie, quoi. Tu vends plein de trucs. Note contenant informations concises. Des informations, c'est toujours bien. Wouah! Il y a la panoplie du guerrier. D'accord. Il vend des clés lampières à retenir. Cendres de guerre perdues permet de dupliquer des cendres de guerre, ok. Et dans l'idée, j'ai envie de prendre ça. Voilà. Toujours améliorer le craft, hein, dans l'idée. Oh, il y a des cendres de diablotin dans dessus. Excellent. On peut invoquer des diablotins qu'il y a dans les catacombes, quoi. Il y a trois clés lampières, ça c'est important. Ouais. Les Z là, c'est intéressant. Puis là, je la flamme exaltée. Je vais quand même prendre des. Je vais quand même prendre des notes. Toujours utile. Allez, on va utiliser un peu de runas. Ouais, acheter, on va acheter les Z. Ok. On va voir un peu les Z que tu nous as vendus du coup. Tu le seul miraculeux, c'est. Oui, village de la ferme exaltée. Au sud, le grand ascenseur de Dectus se trouve le village de la ferme exaltée dont les habitants sont frappés par la maladie d'un proche sans aucun prétexte. Oui, bah oui. Les spectres royaux rampants dans la caisse sont les êtres maudits. Tout effet curatif sera néfaste pour eux. Hein? D'accord. Et ça? Il dit, mais il y en a bien secret au sous-sol des ruines non loin des trois sœurs. Il semblerait que l'infâme sorcière sculptée ait été vue plus d'une fois dans les environs. Ah, c'est pour des catacombes, quoi. Ok. Bon, sympa d'avoir quelques petites aides, là, comme ça. Bon, les clés lampières, je retiens, je vais le... Bah, en fait, il sera marqué, en fait, donc j'ai pas besoin de le marquer, au final. Juste à l'entrée, peut-être que j'ai un objet à ramasser, sympa. Ouais, sympa, c'est vite dit. Rose céleste, ok. Ah, putain, il y en a un comme ça, là. Ok. Ça, c'est un des boss que j'ai déjà affronté, en plus, hein. D'accord, c'est trois coups. Trois coups. Ok, faut que je retienne. Il est pas costaud, hein.
Mon perso il fait pas ce que je veux en fait, je veux me soigner depuis tout à l'heure mais il tape. Ah, très chiant hein. Allez, viens là. Allez, dégage, voilà. Je suppose qu'il donne rien en plus. Ouais, j'ai ramassé le... l'objet, puis c'est tout. Touche à ton cul. T'es vraiment sur le hauteur, quoi. Ouais, on s'était déjà tapé sur une geôle. Je crois que c'était le premier ennemi que je me suis tapé en mode geôle, là. Très bien. Bon, bah du coup, voilà. On n'a plus qu'à remonter tout ça. Il m'a pas donné énormément d'âme en plus, hein. C'est crapuleux, hein. Est-ce que je vais aller un peu sur le pont également? Parce que c'est vrai qu'on peut y aller, je vois pas pourquoi j'irai pas, hein. Car vu que je l'ai pas exploré, vu que c'est un truc qui m'a téléporté directement à l'académie, en fait, bah du coup, je vais explorer, moi, en fait, les chemins annexes, hein. On est là pour ça, putain, par contre, ça va être long, hein. Waouh. La traversée du pont de la mort, là, terrible. Ah, une graine à ramasser. Ah, c'est cool, ça. Graine dorée. Allez, hop. Y'a un dé. Sérieusement? D'accord, je pensais qu'on pouvait... Bon, d'accord. Bah, très bien. Je m'attendais pas à crever ici comme une grosse perte. Bah, je vais récupérer mes âmes quand même, faut pas déconner par principe. Ah d'accord, bah merde, bon j'ai récupéré une graine dorée. Je sais pas combien j'en ai, si j'en ai 3 ce serait cool. J'avoue que je sais plus où j'en suis avec ça. Je vais regarder. Graine dorée, graine dorée, graine dorée. C'est vrai que ça le fruit des doigts là. J'ai pas regardé. Une femme aveugle, guidera vers la lumière, d'accord. Alors les graines, normalement c'est un objet clé hein. Les graines dorées, non? Bon je suis du mauvais shit mais... Ah, j'en ai qu'une. Ah, merde. Ah, c'est la douille. Bon, allez. On va récupérer nos âmes et puis on va continuer notre aventure. Hein. Ah, je suis déçu. Je pensais qu'on aurait pu continuer, moi. Bon, bah, tant pis pour moi. Allez, hop. Rentrons dans cette académie, maintenant. Je sens que ça va être ouf. Comme d'hab, hein. Me fais pas de soucis. Allez hop, adieu mon destrier maintenant. C'est que moi qui est concerné. Et comme d'hab, vu que ça va monter, on va regarder s'il n'y a pas un passage secret. Il n'y a que dalle. Du moins, il fait un peu noir, donc je vais quand même allumer la lampe pour voir, mais... Non, il n'y a rien. Ok. Reviens. Ça a pas l'air très haut en fait, donc ça va. Voilà, c'est bon, on y est les gars. L'académie de Raya Lucaria. Wouah, putain, oh là là, mais c'est plan quoi, oh là 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 là. Là, j'ai l'impression d'être à Irithyll en fait, dans Dark Souls 3, ça me fait vraiment penser à Irithyll pour le coup, la vallée boréale. Avec la petite musique là, ouais, petite cloche, sympa. C'est beau. Hein, je contemple un petit peu les amis, hein. Parfois c'est bien de s'arrêter, de profiter un petit peu, hein. Waouh. Ça va être encore un sacré donjon. Allez, c'est parti, on y va. Bouclier en avant. La zone est stylée, hein. Oh. Mon dieu. Des mages, ouais. On les connaît, les cons. Ça, ça spamme pas du tout. Allez hop.
Ouais. Oh, j'ai eu chaud, heureusement que j'ai switché entre les... entre les cibles, en fait, avec mon analogue, parce que sinon je me faisais baiser, hein. Ok, bon, ouais, d'accord, il y a des ennemis un peu partout dans les cages, va falloir faire attention à ça. Ouais. Donc c'est loin d'être des ennemis faciles, en plus. Donc ouais, faut vraiment faire attention, quoi, hein. Ok, bon, par là. Au-dessus, non, non, y'a rien. Rune dorée. Derrière là, ouais. Pas de forge sombre. C'est tout ce qu'il y a ? Ah non, c'est par là la suite, ok. Petite de grâce, ok. Ça va pour moi. D'accord. Je vais me reposer là, pour l'instant c'est ok. Allez, on continue. Du coup... Ouais, je dis, ouais, l'académie de magie, là, à mon avis, il va y avoir des murs cachés, hein. Des murs invisibles. Ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas. Ok, des morts vivants, en tout cas. Et des zombies. Oh putain, ça monte haut en tout cas, hein. Ah, je me suis fait baiser. Ah, et ça te bouffe la magie, ça, d'accord. Hein. Ah, il y a tout qu'il faut pour que ce soit cool ici, hein, pour qu'on passe un bon moment. Hein. C'est génial. Voilà, c'est guet-apens land, il y en a partout. Non mais... Quel connard. Je savais qu'il y en avait en plus, hein, mais ouais... Bon, je l'ai tué en 3 coups, donc ça va, mais... J'ai consommé une fiole alors que j'aurais pas dû, quoi, là. C'est juste ça qui m'embête un peu. Surtout que le piège, je l'avais vu, quoi. C'est ça qui me fait chier. Ouais, y'en a partout, y'en a partout. Intérêt à faire gaffe où je mets les pieds, moi. C'est pas le bouclier qui me protège contre les chopes, hein. Malheureusement. Ah ! Trouver un chemin dérobé. Attention au piège, hein. Non, c'est bon. Pierre de Forge 4, c'est parfait. Mais c'est vrai que c'est... j'aimerais bien en avoir des niveaux 5 pour améliorer mon Ushigatana plus 15. Je sais pas si c'est le max, ça. Et ça me ferait plaisir, je vous le cache pas. Salut toi. Allez, dégage, voilà. Ils ont des champignons sur leur corps. C'est délicieux. Rien de dangereux, ça va. Quoi, c'est chiant, anti-magie. Un autre chemin dérobé. Ah, y a que ça, j'ai l'impression. Ordure, je t'ai vu. Ouais, c'est petit piège à con là aussi, hein. Faire attention, hein. Et attendez, c'est la suite là ou... J'ai pas bien vu si c'était la suite logique ou si c'était seulement pour un secret parce que c'était bien planqué quand même. Attendez, je vais retourner voir en haut. On a l'effet mouillé sur notre armure là parce qu'il pleut tout le temps dans cette zone apparemment.
Ah ouais, il y avait le pont à traverser, c'est bien ce que je me disais, ouais, ouais. Et le pont, c'est pas une arnaque. J'ai peur que le pont lâche en fait. Et que je sois déçu. Vous savez quoi, j'ai peut-être envie d'arriver dans le dos en fait au final hein. Ça a l'air plus Gucci hein. On va le faire. Allez, vas-y. Tac. Hop là. Voilà, nickel. Il y en a un qui est tombé apparemment. Plusieurs qui sont tombés. La gueule, voilà. Oh, mais merde, hein. Mais c'est pas vrai. Oh, putain, le truc qui bloquait la vue, j'y arrivais pas. Ah, je vous jure, c'est pas possible, quoi. Du coup, j'ai raté l'objet, j'ai bien le seum, quoi. Faut que j'y retourne, oh, c'est chiant. Je peux pas tomber d'ici, là. Si, ouais, c'est plus rapide comme ça, voilà. Bon sang. Soldat pantin, putain, génial. Salut mon con. Il est un peu plus costaud lui, hein. On peut aller par là. En savoir. Il y a un objet. Qu'est-ce que tu fais? Eh putain, mais non. Mais non, je suis pas d'accord, quoi. Je l'ai tapé avant. Connard. Oh. Elle crève, voilà. Ils sont relous, les ennemis, ici. C'est que des zombies, mais ils cassent les couilles, quoi. On peut descendre ici. Oh là là, mais il y a des ascenseurs et tout. Cette zone, elle est folle encore, hein. J'annonce. Et je n'ai plus que deux fioles. Et ça, c'est cool. Ou pas. Oh là 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 là. Putain de merde. Non, laissez-moi taper. Je m'en fous, j'ai eu le truc, là. Et là, je suis bloqué. Voilà, c'est cool. Taper dans le mur. Oh non 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 non. Mais putain. Sans déconner. Ah le putain de truc piégé quoi. Horrible. Et ils sortent du sol, ils font chier, je vous jure. Voilà. Voilà. J'ai plus qu'une potion, j'ai vraiment intérêt à faire gaffe, moi. Hein. Ils popent pas mal, hein, ces cons. Hein. Ils popent un peu partout, même, d'ailleurs. C'est vrai que dans l'idée, t'as envie d'aller là également parce qu'il y a un truc, quoi. Hein. C'est ça le souci. Il y a pas mal d'ennemis. J'ai peur qu'il y ait un piège, en fait.
Pas mort, merde. Voilà. Case de chevalier de Caria, armure chevalier de Caria, ganté chevalier de Caria. Ouh, ça a l'air Gucci ça. Ça a l'air sympa. Si on peut se protéger contre la magie. Bon, je vais regarder ça tout de suite, hein. Ah, coucou toi. Alors, chevalier de Caria. Niveau du poids, c'est pareil en plus. Ouais, c'est même moins lourd. Ouais, par contre, ouais, hein. Non, je fais plus de résistance. Ah, oh, mais ouais, le swag est total, là, en fait. Le swag est carrément meilleur, en fait. Ah non, non, je garde cette armure, elle est ouf. Incroyable. Nouveau swag. Armure du chevalier de Caria. J'imagine qu'on a plus de résistance à la magie, par contre, je vais regarder, mais... Ouais, on a plus de résistance à la magie, je le vois d'ici. Ouais. Je pense que ça va être bien pour cette zone, à mon avis. D'être plus résistant à la magie. Ça laisse à penser, quand même, hein. Y'a quoi, là-bas? Quand je retourne ici, très bien, c'est l'endroit pour retourner là, ok. Y'a pas d'ennemis. Ici, ça a pas l'air. Une dorée, ok, très bien. Trop loin pour... On peut descendre, quoi? Ouais, non, mais là, je meurs, en fait, d'ici, c'est pas possible, quoi. Donc non. Il y a encore de la verticalité dans cet endroit, ça promet, hein. Franchement, ça promet d'être cool. Bon, déjà, j'ai tout traversé, ça c'est déjà un bon début. J'ai une nouvelle armure en plus de ça, donc que du bon. J'ai été par là, en fait. Derrière l'arbre, là. Ah non, il y a des objets, hein. Pff, ouais, tu parles. Champignons de mort. Je vais vérifier par contre si j'ai vraiment toute Caria. Ouais, ouais, j'ai toute Caria. Ok, c'est bon. Petite vérif hein, au passage. D'accord, donc là on arrive là. Donc si je le souhaite, je peux sauter là-dessus. Est-ce que c'est utile? Oui, il y a un truc au-dessus. Ok, donc c'est utile. J'aimerais bien d'avoir un. Je vais pas aimer ce qui va arriver, je l'ai déjà affronté lui tout au début dans la première zone dans Nécrolimbe, il était horrible. Ah ouais hein, connard. Là, à chaque fois je me fais baiser par cette attaque en fait, je suis un idiot hein. Ouais, je me soigne, j'aurais peut-être pas dû en fait. Ouais. Je vais mourir là. J'ai pas de soins, ouais, je fais l'idiot là. Putain, je sais pas par quel putain de miracle, mais je l'ai eu, ok. Putain, ok, d'accord. Fouf. Et bah, fouf. Bon sang. Pierre de forge sombre, ok. Et c'est tout ce qu'il y avait ici, en fait. J'étais juste ici pour affronter un mec comme ça, quoi. Pour un sort. Ah, très bien, je le vis bien. J'ai plus de vie, j'ai plus rien. J'ai perdu ma femme, mes gosses, mon job, mais tout va bien. Il me reste mon honneur. Ah là 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 là. Bon, ça promet d'être sympa de monter là-bas. Let's go. Je
Je suppose que je vais m'arrêter ici. Voilà. Nickel. Je vais vraiment être prudent. Le moins de coups, je meurs là. Donc. On va vraiment faire attention, hein. La ferme, toi. Ah, on peut reprendre là pour descendre, en fait. D'accord. Très bien. Évidemment, c'est le prochain endroit où je vais aller, mais je vais d'abord essayer de trouver un site de grâce. Oh, merde. Allez, on va avancer là-dedans. Mais vraiment à tâtons. Pas d'ennemis. Échelle de cristal. Ah, je suis vraiment mais à tâtons là. Ah, enculé. J'hallucine. J'avais oublié qu'ils faisaient ça, les connards. Non. Je vais devoir tout me retaper. Ah, de toute façon, j'avais plus de vie, ouais, non, mais ouais, c'était couru d'avant, je m'en doutais que j'allais me faire baiser, mais bon, c'est comme ça, quoi. Et bon, l'intérêt, c'est que maintenant, je peux rush la zone, parce que bah, j'ai ramassé tout ce qu'il fallait, quoi, donc écoutez, hein, y a plus besoin de tergiverser. Ah non, mais il va te faire foutre, c'est bon, quoi. Ah ouais. Allez. Je me souviens qu'il y en a un, faut faire attention. Ouais. Mis à part ça, rien de méchant. Voilà. Putain, j'aurais raté mon coup là, j'aurais tellement eu le seum en vrai. Ah, il y a toujours les connards là, faut faire attention. Parce qu'ils sont chiants. Voilà. Dégage. Et là on va monter tout doucement hein, en faisant attention à ce genre d'embuscade de merde. Voilà. Ah t'es ordure. Hein. Les chiens. Attaque. Il attaque quand j'attaque en fait. Qu'est-ce que ça peut me gonfler ça dans ce... Dans les souls quoi. C'est vraiment casse-couille hein. C'est... Toujours le mauvais timing. C'est casse-couille. Et là il spam. Hein. Allez. Voilà connard. Voilà c'est bon. Ah je vous jure. Toujours le putain de mauvais timing. Voilà. On prend notre temps. L'idée c'est quand même de récupérer mes âmes, hein. Hop là. Ah, il apparaît cette ordure en plus. Très bien, c'est sympa. Grosse ambiance. Allez mon con, voilà. Il m'a attaqué d'où ce connard avec sa torche là. C'était l'ordure hein. Il m'a encore touché. J'ai un problème avec eux hein. C'est assez immonde. Je suis sûr que le site de grâce était juste ici. J'ai le seum niveau 200 là. C'est vraiment des connards. Ah, ils m'ont baisé la gueule vraiment au site de grâce, quoi. Ah là 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 là, je vous jure. Ça aurait été tellement beau.
Au final, je me fais avoir par un connard avec sa putain de lampe torche de merde, là, qui pue le sexe. Ah, et ça, ça a pas de prix. Bien, c'est pour ça qu'on aime ce jeu aussi. Allez, on va aller en bas. Parce que là, il y a tout un autre pan qui s'ouvre à nous en allant par là. Je sais pas trop, par contre, où sauter, en fait, là. Je vous avoue. Suppends-toi. Par là, je dirais, hein. Ouais, ça me semble ok. Là. Par contre, on peut pas descendre plus bas. C'est un plan HUC ou on peut encore descendre plus bas? On peut encore descendre plus bas, j'ai l'impression. Après, ouais, c'est... D'accord. Bon, ici, déjà, c'est déjà pas mal. C'est déjà de voir ce qu'il y a ici. Comme objet ou connerie. On peut remonter également, ouais d'accord, très bien. Rien du tout. Pour l'instant je me demande pourquoi je suis descendu, mais ça va. Pas de mur caché, non. Pas d'ennemis. Bizarre quand même. Ah, c'est ceux qui sont tombés. Ah putain, mais ils sont tous tombés en fait. Ah, les cons. C'est quoi ces ennemis de mort là? C'est quoi ça? Putain. C'est quoi ces mobs? Ah, je vous jure. Ah, il y a des sacrés mobs de merde dans ce jeu, c'est hallucinant. Il était bon, lui. Ah, je vous jure, sang de soldats pantins vierges. Ah, d'accord, mais c'est ceux qui volaient, là. D'accord, ok, j'ai leur sang, je peux les invoquer si je veux. Ah, c'est un délire, hein. Il y a des mobs vraiment énervés dans ce jeu, c'est chaud. Ok. Bon, on va continuer à descendre. Apparemment ça continue, donc écoutez, on va regarder à ça, hop là. À moins que je meure comme un déchet humain. J'aurais pu aller là. J'ai raté le coche, je suis mort, non? Pas vraiment. Ouf. Ouf. J'en avais déjà affronté une à cheval. Et c'était à cheval, ça le souci. En fait, cette merde, ça t'enferme là-dedans et ouais, tu sais, tu subis des sévices sexuels horribles à mon avis. On va éviter. Oh oh. Bah, je suis mort, non? Sors de là, mon gars. Ah, la cage des angoisses, quoi. Très bien, bah je me suis fait violer, mais tout va bien. J'ai réussi à en sortir vivant. Là, je sors juste, je boite un petit peu, mais ça va. Ça va aller. Ah, oh, je vous jure. Bon. Il y avait juste ça en bas, donc ça va. C'est pas trop méchant. Pour être criminel, c'est qu'ils en mettent deux, quoi. Hein, c'est déjà bien casse-burne. T'as espoir de la chatte à longue queue. Pourquoi j'ai rigolé? Bah, parce que j'ai un esprit de merde, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il fait exactement, ce talisman de la chatte à longue queue? Putain, oh là 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 là. Réduit les dégâts de chute, ah, ouais, évidemment, bah oui. Putain. Mais quelle idée les gars, putain, c'est quoi votre problème? Ah putain, pas mal, pas mal. On peut aller par là également, oui, j'avais pas vu. Cendre de guerre perdu, c'est cool. Ah, y'a rien derrière, ça aurait été sympa de mettre un truc derrière quand même.
Voilà, je viens de me taper une espèce de cloche qui t'emmène en elle et qui te viole, et après je chope le talisman de la chatte à longue queue. Ah, ça c'est beau. Ça c'est les émotions du gaming, ça les gars, les vrais. Je vous jure. Très bien, donc écoutez. C'est vrai que je voulais aller juste au-dessus, oui. Ok, attendez. Hop là. Y'a là que j'aimerais bien aller. Oh non. Ou si j'ai réussi, putain. Ouh. Tout ça pour un lisse de merde, mais j'ai quand même réussi à aller là. Parce que sinon c'était là que j'aurais dû aller, oui. Sinon ça continuait, ouais. C'est là que j'ai raté le coche, donc c'est bon. Bah du coup j'ai rien raté au final. Du coup redescendre ici. Ok, on n'a plus qu'à remonter les gars. Et on est bien. Super, super. Je crois que j'ai rien raté, hein. Pas rien de très grave à mon avis. Ouais, ici oui, on connaît, c'est bon. On va revenir à l'endroit où j'étais au début. Là où il y a le connard avec son truc électrique là-bas. Oui, c'est ça. Ok, très bien. Bah, zone annexe fut terminée. C'est sympathique. Attends, on avance par là. Let's go. Voilà. Rien d'autre à faire. De toute façon, non, c'est bon. Ok. Et bah, c'est parti pour se reposer. Et on continue. Attendez, je vais regarder l'heure, mais je pense qu'on peut encore continuer, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, on est déjà 37 minutes quand même. donc du coup, je sais pas si je continue. En tout cas, ça promet d'être une autre grosse zone. Et je sais que c'est des zones assez longues, donc je pense, écoutez, qu'on va s'arrêter là. Donc on a quand même fait cette première partie du donjon de l'Académie de Raya Lucaria. C'est sympa, donc nouvelle armure. Armure très stylée, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, de toute façon, les armures type chevalier. C'est pour ça que j'aimais bien For Honor aussi à l'époque. Mais bon, voilà, le jeu est ce qu'il est. Hein. voilà. Donc voilà, première partie, ça s'est très bien passé. Le talisman de la chatte à longue queue qui m'a fumé, littéralement. Très sympathique, voilà. Donc écoutez, j'ai hâte de découvrir la suite de ce donjon avec vous la prochaine fois. Allez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Si c'est le cas, vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À cliquer sur la cloche pour la notification. Et moi, je vous fais des bisous. Et à la prochaine. Allez, des bisous. Ciao, portez-vous bien. Salutations.